Bonjour! Prise d'otage détectée. Un agent a besoin de backup. Bonjour à tous. Salut Johan, coucou Johan, merci pour le partage, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Merci d'être là, un petit peu en retard, j'avais prévu de stream un peu avant, mais j'ai encore une fois galéré à mettre en route le live. Voilà, tout le temps avec ces fameuses mises à jour. Tout le monde sur le terrain! J'espère que ça va, que tu On est m'entends bien. prêt! Ça va Yon? Ah bah c'est cool, c'est cool. Merci d'être là en tout cas, ça fait plaisir. Alors bon, on change de registre par rapport à hier, y a pas, il faut que j'essaie d'avancer un peu dans The Division 2. Hein. Du moins essayer d'améliorer surtout mon niveau, Prise d'otage à proximité. mon matériel, on va dire, mon voilà. Oh là, ça c'est quoi? Là c'est du lourd. 46K, ouais non c'est pas top. Hein, par contre, ouais, par contre là il compare ça avec un fusil à pompe. Voilà, donc franchement je savais pas sur trop quoi partir. Voilà, bon on va le prendre quand même. On va essayer de voir un petit peu pour bah, voir ce qu'il reste à faire. Il reste pas grand-chose en fait, hein. Enfin, je pense. Il reste pas grand-chose. Il y a encore ce fameux Aaron Kinner à mettre à terre. Salut Jérémy. Comment ça va Jérémy? Bienvenue à toi. Ouais, t'as rendu fou. Ouais, non, mais c'est un jeu. C'est un jeu déjà où il faut. Voilà, bah, je vais peut-être rager un peu aussi également. Bah, on va voir. Là, je vais essayer de voir. Là, pour partir avec un Runkinner. Enfin, essayer de le mettre à terre. On va voir. Je suis pas sûr que je vais y arriver. Ou voir un peu s'il n'y a pas des. Comment dire? Des Prise points d'otage de. détectée. Non, je sais plus le nom exact. Bon, enfin, on verra. On verra avec vous au fur et à mesure. Voir un petit peu ce qui restera à faire sur ce. Sur ce fameux DLC, parce que là on est sur le DLC New York. Parce que le The Division 2 c'est sur Washington. Donc là on est sur le DLC New York. Donc, je voudrais essayer de voir pour affronter ce fameux Aaron Kinner que je n'ai jamais réussi à mettre au sol. Voilà, tout simplement. Vous voyez ici. Ma seule mission principale qui reste à faire c'est ici. Et là j'y arrive pas. Donc ça fait partie, bon bien sûr, difficulté mode histoire. Hein. Mais j'y arrive pas du tout en fait. Hein. Pour un bien, faudrait je retombe sur une équipe qui n'abandonne pas au bout d'autant de temps quand on voit qui malheureusement, ils s'en rendent compte qu'ils vont pas y arriver. Ils quittent simplement le jeu. Hein. Voilà. Ils quittent le jeu parce que apparemment pour eux, ils s'en sortiraient en bas. Donc j'ai déjà essayé 3-4 fois avec d'autres joueurs et bon, ça n'a pas passé. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà, donc je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il me reste encore à faire éventuellement. On a des primes, peut-être, pourquoi pas. Et de voir ça ensemble. Il y a un moment que j'ai pas joué dessus, donc ça va être un peu compliqué de me remettre aussi dans le jeu. Ça va, Jérémy, tant mieux, tant mieux. Ben, merci d'être là en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, alors je sais pas, n'hésitez pas à me dire si c'est bon pour vous au niveau du micro, de l'image. Le son, comme d'habitude, hein, si vous voyez que je vous casse les oreilles, que ce soit au niveau du son du jeu ou du micro, n'hésitez pas à me le dire.
Qu'est-ce qui me reste exactement encore à faire dedans? On va voir, il y a des projets. Voilà, ça c'est surtout les différents boss que j'ai réussi à mettre à terre tout seul. Enfin, tout seul avec d'autres joueurs aussi, hein. Voilà. Là, il faut retourner sur Liberty Island. Alors, bon, je ne sais pas si ça va vous plaire ce genre de jeu-là. Tout simplement. J'avais envie de retourner sur The Division 2. Il y a un moment que j'y avais pas été. J'avais pas fait ce truc. Libérer Tonebridge. Alors, objectif, ravitailler des points de contrôle. Mener à bien des activités. Récupérer des caches techno. Eh, j'ai bien envie de faire ça. Ah non, ça fait partie de la prime, la route du feu. Ah, le premier, il était excellent. J'ai passé énormément dessus sur de temps sur le premier. Un peu moins sur le 2. Parce que j'ai fait moins de cop en fait. Hein. J'ai fait beaucoup de moins de cop sur le 2. Voilà, c'est surtout ça. Ah, mais le premier, j'ai dû. Quand j'ai commencé à y jouer, j'ai joué dessus pendant pratiquement 3 mois avec quelqu'un qui m'accompagnait tout le temps en fait. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur le premier. Et bah le 2, c'était pas. Je l'ai pas. Je sais pas, j'ai moins apprécié. Voilà, tout simplement. Je dis pas qu'il est mauvais, mais j'ai beaucoup moins apprécié. Hein. Voilà. Bah j'ai bien envie d'aller faire un petit peu ce point de contrôle. Histoire de voir. De se remettre un petit peu. Voir un peu comment ça va se passer. Voir si j'arrive à me débrouiller déjà pour faire ce point de contrôle. Voilà. Pourquoi pas essayer de me TP également sur cette planque-là pour gagner du temps? Peut-être. Je vais faire un déplacement rapide. Mais le premier, j'ai apprécié beaucoup plus le premier que le 2. Hein. Voilà. Bon, je suis pas un grand joueur. Hein. Je suis pas un grand joueur. Je me débrouille. Voilà, j'ai eu mes moments de galère sur le 2. Mes moments, des moments où j'ai passé énormément de temps à essayer de m'en sortir. Mais sinon, vous avez quoi? Des objets dans votre boîte de réception? Allez voir à la réserve. Ah, cette fameuse réserve. Donc c'est ici. Alors, inventaire, qu'est-ce que j'ai de beau à récupérer? Alors pareil, hein, pour l'inventaire, je vais encore galérer. Voilà, on m'a aidé. Hein. Il y a Mathieu qui jouait souvent avec moi. Qui m'a accompagné pas mal de fois, là, qui m'a fait monter de level assez rapidement. C'est vrai que grâce à lui, j'ai réussi à monter assez vite en level. Alors, qu'est-ce que c'est de ça? Alors, attendez, je vais revérifier ça. Peut-être comparer un peu. Ouais, il n'y a pas photo, hein. Là, c'est du 150K, CPM 120. Un fusil d'assaut. Ouais, j'avoue qu'il y a des missions en solo, c'est pratiquement impossible. Si tu ne demandes pas du renfort ou si t'es pas aidé, tu peux le faire, mais tu galères, quoi. C'est que tu galères comme pas possible. Surtout au moment où tu dois faire les boss. Voilà, au moment où tu dois mettre à terre les boss. Il y a des missions que j'ai fait tout en solo. J'en ai vraiment, vraiment. J'en ai chié, tout simplement. Excusez-moi de l'expression. Mais j'ai bien, 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 bien galéré. Hein. Voilà. Ouah, 712K ici. Ouais, par contre, le CPM, ouais, c'est un genre de fusil à pompe. Ah, c'est le même type d'arme en plus. Bah là, on va peut-être pouvoir le démonter, cette arme-là. Ou le mettre dans la réserve, pourquoi pas. Bon, on va le démonter. Voilà. Ouais, après, si tu. Après, l'avantage de The Division 2, si t'as quelqu'un, un pote qui t'accompagne tout le temps dans ce jeu-là, il peut être agréable. Hein. Voilà, il peut vraiment être superbe. Mais il faut que tu as quelqu'un qui tu joues tout le temps avec la même personne parce que après tu t'habitues à sa façon de jouer. Et puis comme je dis, hein, c'est pas un jeu solo, ça c'est plus du coop. Hein. Voilà, c'est plus du jeu coop. Puis là, on va démonter également. On va faire un grand tri dans mon inventaire parce que j'en ai énormément. Il y a des trucs 48K, 56K. C'est quoi ça exactement? C'est à peu près le même genre d'arme. Hein,
C'est des gros fusils mitrailleurs, hein, du MG5. Hein. M249 para tactique. Là, on est sur du fusil à pompe également. On est sur du pompe également ici. Ouah, il est temps que je fasse du tri. Hein. 422. Alors, ça, c'est une galère. Hein. Cet inventaire, c'est une galère. Si tu t'en occupes pas immédiatement, c'est foutu. Hein. Après, tu te gardes. Là j'ai au moins 3 ou 4 fusils à pompe. Voilà. Enfin, du moins des fusils de calibre 12, on va dire. Voilà. C'est surtout ça. Voilà, donc là j'en ai beaucoup de trop. Donc il va falloir que je fasse un tri. Moi je regarde en priorité, c'est au niveau des dégâts. Un peu au niveau du chargeur également, le CPM un peu moins. Enfin j'essaie de comparer comme ça, je sais pas si c'est le bon moyen. Voilà, je démonte ou bien ou je pourrais revendre aussi, mais bon. Je sais pas si ça a un intérêt vraiment. Bon, encore une fois, l'inventaire n'est pas peut-être bien géré, c'est pas peut-être la meilleure des façons. 11, 422, 600. Celui-là, il n'y a pas photo, on va les démonter également. Voilà, bon là par contre, j'espère que vous avez le choix de la qualité. Normalement, oui. Parce que j'ai dû arrêter le live, le remettre en route. Parce que sinon, j'étais resté en 1080p. Pour l'instant, ça a l'air de passer comme ça. On peut choisir la qualité par rapport à ça. Donc, du moins, tout à l'heure, c'était indiqué, on verra. Je pense que oui, hein, ça n'a pas changé à mon avis. On va vérifier par les petites connexions. Tu joues sur quoi toi déjà, Jérémy? Sur PC, je m'en souviens plus, excuse-moi. Si tu es joueur PC ou sur console, je ne sais plus du tout. Voilà, et puis il y a eu un événement également via Ubi, là, ça s'est confirmé. Hein. Voilà, il y a une annonce qui a été faite de la part Ubisoft concernant le prochain Assassin's Creed. Ça sera bien, bel et bien, à l'époque des Vikings. Et ça va être superbe. Ça va être génial. T'es sur la One, d'accord. Ok. Je sais pas d'ailleurs si Johan, tu joues encore sur ce Division 2. Parce que tout à l'heure, tu as marqué qu'il t'avait rendu un peu fou. Si tu l'as un petit peu mis de côté. Ou de temps en temps, tu y retournes. Alors non, là on est sur du. Parce que on m'avait conseillé également de garder des armes de calibre différent. Parce que ça peut arriver que tu es à court de munitions et quand tu prends une arme de toute identique au niveau des calibres, bah, tu es un peu roulé quoi. Donc c'est pour ça qu'on m'avait conseillé de faire ça. Après là c'est du violet. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à le démonter? Waouh, on va rester. Pardon, excusez-moi. Donc je pense que le violet, à mon avis, j'ai peut-être gardé une ou deux sulfateuses comme ça. Mais tout ce qui est armes d'assaut comme ça, je vais les démonter. On va rester dans du jaune. Ouais, pour l'instant, ouais, après c'est un peu normal, hein, ouais. Ok. Attendez, il y a de la pub qui arrive sur ma tablette. J'espère qu'elle va pas se couper. Ouais, je pense que tu vas y retourner, parce qu'à mon avis, c'est un jeu que tu as dû apprécier aussi, Johan. Je pense. Je pense que c'est un jeu que tu as dû apprécier malgré tout. Et moi-même, hein, il n'est pas parfait, mais de temps en temps, j'aime bien y retourner. Hein. Voilà, de toute façon, là, pour moi, le DLC Washington est pratiquement fini. Hein, ce fameux boss Aaron Kinner à mettre à terre. Je vais peut-être même essayer de le tenter quand même, on verra. On va essayer. Là, je vais faire un petit point de contrôle, là, je sais pas quoi, là. On va essayer de faire ça. Voir un petit peu comment je me débrouille, et puis si je me sens d'attaque, on va essayer de continuer la mission principale, tout simplement. Voilà, ça je vais le défaire. Je suis long comme d'habitude. Dans un inventaire, je suis très 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 long. Voilà un petit peu les types d'armes que je possède. Là j'ai un. Ah ouais, après j'ai du 731 en dégâts là. C'est pas trop mal. Bon, ça c'est pas un fusil d'assaut, c'est un peu une arme à coup par coup. Qui est pas trop mal en dégâts. Comparé à celui-là, au M16, vous voyez, il n'y a pas photo. Hein. Sur la limite, je pourrais même le démonter. Non, on va regarder, c'est du calibre combien ça? Le calibre. Je vois pas du tout. Apparemment, on dirait que c'est identique. Là, on dirait qu'on a un petit lance-patate. Je suis pas sûr. Ouais, allez, le violet, on démonte.
On va démonter. Non, ça peut-être pas. Alors attends. Ah, moi, non, moi, j'en ai une là. J'ai une grosse sulfateuse ici. Donc, ça, on peut démonter aussi. Voilà. Allez, on démonte tout ce qui est violet. On reste dans le jaune. Voilà. Alors, ça, c'est. Ouais, ça, ce sont les différents pistolets. 90K. Bon, là, 2, 80, 90 et 203, il n'y a pas photo. Arme que j'utilise très peu d'ailleurs, le pistolet. C'est pas beaucoup. Alors ici on a sur quoi? On est sur du. On fait déjà pour comparer, je m'en souviens plus. Ah c'est Y. Voilà. On appuie sur Y. 100% de récup d'impulsion scanner. C'est pareil, ça je vais démonter, hein. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver. De toute façon, demain, si tout va bien, il y aura un live également. Je pense que je ferai Forza Horizon. Comme tous les vendredis, comme c'était prévu. On va essayer de repartir sur Forza Horizon. Bien qu'il n'y ait plus grand-chose à faire dessus. Alors, certains matériaux ne seront pas récupérés après le démontage car vous avez atteint la limite de ces matériaux. Ah. Ok. C'est-à-dire. Ah bon, apparemment je démonte de trop, il aurait peut-être fallu que je vende. Je sais pas. Alors 131K. 53 573 de protection. Là c'est je suis sur quoi? Là je suis à 170, c'est pas mal, hein. Pas trop mal les stats quand même, hein, au niveau des attributs. Il n'y a pas photo, hein. Le reste, bah, je vais démonter, tant pis. Hein. Ou je vais déplacer dans la réserve. Allez, on déplace dans la réserve. On verra par la suite. On s'en occupera en dehors de Twitch. Voilà. Alors ça c'est quoi? Fais le tour comme d'hab, hein, les drones. Bon, en fait, c'est un fer à soude électrique. Ah d'accord. Après, il faut que j'aille voir aussi. Ouais, éventuellement, faut que j'aille voir aussi. Pour améliorer mon drone, pour améliorer mes tourelles, etc. Je sais plus comment on fait d'ailleurs. Ouais, les pauvres voitures. Non, non, mais comme le vendredi, ça, avant c'était réservé un peu sur le pour du Forza. Je pense que je vais reprendre le principe de retourner sur Forza. Voilà. Puis après, on continuera la semaine prochaine sur du. Si tout va bien, bien sûr, comme d'habitude, hein, on continuera un peu de l'Odyssée. Peut-être continuera peut-être The Division, on verra bien. Voilà, il n'y a pas trop de nouveautés en ce moment, donc on va essayer de continuer un peu les jeux qui ont été commencés. Merci Johan, pour ton host, merci beaucoup. La RTOS ne fonctionne pas. Et j'ai regardé, j'ai pas trouvé pourquoi ça ne fonctionnait pas. Alors les alertes sub fonctionnent, je sais qu'hier il y a eu un resub, donc ça a marché. Alerte follow, je pense que oui. Mais le host, niet. Ils veulent pas. Ils veulent pas que ça marche. Je sais pas, je comprends pas. C'est un. Enfin, je passe par StreamElement, hein, pour information. Il y a eu, je sais qu'il y a eu pas mal de bugs, hein, via Wizboot également. Alors ici. Le lance-patate, ça, est-ce que je peux l'utiliser ou pas? Et d'accord. Et là, je suis à 2,6 m. Ouais, je peux pas l'utiliser, ça les carreaux. Alors, regardez pourquoi. Je vais essayer de voir pourquoi je peux pas les utiliser, cette fameuse arbalète. Ça. Bon, là, c'est pareil au niveau gilet, on a ce qu'il faut, hein, vous voyez. On a tout un. Faut bien regarder les attributs également. Bah, moi je dis ça, mais franchement. Si vous voulez démarrer sur Division 2, n'écoutez pas mes conseils. Je pense que c'est le meilleur choix que je fais. Je pense que c'est peut-être les mieux, les meilleurs, mais je ne pense. Après, je ne sais pas si c'est vraiment le bon choix. Bon, c'est quoi ça? On augmente le total de dégâts d'armes de Agent demande du 5%. backup. Chaque seconde pendant que vous ciblez un ennemi. D'accord. Ouais, bah après, c'est du violet, hein. Je peux pas démonter. Oh, allez, on déplace dans la réserve. On va déplacer tout ça dans la réserve et on les revendra au moment voulu. Voilà. On va pas perdre trop de temps avec ça à démonter. De toute façon, j'ai plus de place. Hein. Rechargement protégé, confère 20% de protection de bonus.
Hop. Qu'est-ce qu'il donne éventuellement mon. C'est pas. Apparemment, c'est pas le meilleur au niveau du gilet. Hein. Les stats, c'est pas les. C'est pas ce qui est le mieux. J'ai 10 543 en santé. Ah, bien que. Là, j'ai 12 000. 4,6 en dégâts d'armes. Ça a l'air pas mal. Ouais, je vais m'équiper de celui-là et puis on va essayer de comparer. Ouais, apparemment j'avais pas pris le bon gilet. Alors qu'est-ce que ça donne? Résistance aux explosions. 16 000 en santé, 12% de dégâts d'armes. Et celui-là il est encore mieux d'ailleurs. Il est même mieux par rapport à ce que j'ai. Dégâts de headshot. Après je sais pas ce que c'est le 16K Viroba, l'ensemble de marques. Je comprends pas. Il y a tellement d'infos, tellement de trucs à comparer. Là, il est pas mal. Donc on va s'équiper de ça. Je vais mettre ça dans la réserve. Ouais, je pense que ça peut. Cible. Bon, j'ai bien fait de regarder quand même pour ce gilet. Hein. Allez, réserve. J'aurais un. Oui, bah, je vais passer du temps à récupérer tous ces gilets-là et les revendre. Ou les démonter, on verra. Hein. Là, j'ai 115 de protection. What? Énorme là par contre celui-là. J'ai 115, 204, 100 attributs 11 000. Compétences de réparation. Ah ouais, il est celui-là. Bah, par contre, au niveau des Badger Tough, je sais pas ce que c'est. Alors, je préfère vraiment prendre le temps de faire le bon choix quand même. Pas des trucs à prendre à la rigolade. Voilà. Ouais, protection n'a pas l'air mauvaise. Je perds un peu en santé. Donc celui-là. Réserve. Non. Alors, c'est pas ce qui est le plus intéressant quand tu streams ça. Hein. Et puis vu que voilà, vu que j'avance pas très vite, bah je préfère prendre mon temps malgré tout. Voilà. Comparer celui-là. Celui-là, je vais mettre à la réserve et celui-là, je vais le garder en cas de coup dur. On ne sait jamais, donc ça c'est fait. Oh, ça. 112. Là, j'ai un holster. Le holster couleur verte. Alors, est-ce que le vert est au-dessus du jaune? Ça, je ne sais pas du tout. Aucune idée. Je m'en souviens plus. Ça, réserve, réserve, réserve. Voilà. On va aller très vite à mettre tout ça dans la réserve. De dégâts d'armes. Maniement d'armes. C'est sûr. Voilà, non mais vaut mieux. Par contre là, vous voyez, il y a plus de protection. Je sais pas, là par contre dans le doute, je vais pas le mettre dans la réserve ce truc de couleur verte. Et le reste oui. Je compare bien. On va faire comme ça. Super. Wow, mais il était temps que je fasse un tri dans mon inventaire. What? Mais il y avait un grand tri, un grand nettoyage de printemps à faire. Et GG pour le level. Ouais, non, mais vaut mieux, hein, vaut mieux être patient et puis essayer du moins, même si éventuellement je comprends pas tout le temps tout dans ce fameux inventaire.
prendre bien le temps de, avant de commencer à partir à la bataille. Voilà. Comme si que je partirais voilà, avec un couteau en plastique, puis je viendrais affronter un boss. Hein. Voilà, c'est un exemple que je vous donne. Donc, vaut mieux prendre le temps. Voilà, et puis, puis vaut mieux jouer de cette façon-là, quoi. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ah, si, si, les. Si, si, on peut éventuellement, je pense. Non, c'est pas ça. Je me suis complètement trompé. Je me trompe de touche encore une fois. Ah, les modes. C'est quoi ça, ces modes? Je viens plus. ...99, 92... voilà, c'est pas terrible, on met... Non, la réserve, la réserve. Alors ici... Là, il n'y a pas photo également. J'essaie d'avantager un peu plus la protection, surtout. Là, on est à 170. 170... Pas la réserve, hein. Je suis pas trompé, j'espère, hein. J'ai bien un sac à dos, hein. Alors attendez. Je comprends pas. Mille. 75 000. Oh, mais je pense que tout ça, ouais, équipé, on est bien d'accord. Donc tout ça, je peux mettre dans la réserve. Ok. Voilà. Déplacer vers l'inventaire. Comment? Alors attendez, je suis pas en train de plutôt de remettre. Non, non, je pense que je suis en train de me tromper. Je remets ça dans mon inventaire, en fait. Je retire ma réserve. Ah, oh, je fais n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, en fait, les amis. Donc c'est moi qui fais une erreur. Alors on recommence. J'ai fait... Ouais, voilà, c'est ce que je disais. C'est moi qui fais n'importe quoi. Allez. Je suis juste simplement en train de récupérer ce que j'ai mis dans ma réserve. Ridicule. C'est pas grave. Ça arrive de se tromper. Voilà. Ouais, salut Fabs. Ah, ça a bugué chez toi? Ah, d'accord. Ah, pas de soucis, j'espère que ça passe. Salut Fabs, j'espère que ça va... T'es à côté de moi, dans la planque. Ah, j'ai pas vu que t'étais en jeu. Enfin, j'espère que tu vas bien. J'ai le plaisir de te retrouver depuis le temps. Et puis, bah après, si tu veux venir jouer avec moi, il n'y a pas de souci, ça serait superbe. Pourquoi pas, si ça te dit. Là, je suis en train de passer à... En train de déplacer, de faire mon inventaire, là. Bon, la seule mission qui me reste, moi, c'est Aaron Kinner. Alors après, si tu veux vraiment éventuellement m'aider, il n'y a pas de problème. Si ça te tente. Oh, alors attendez. On recommence. Tablette qui se met en veille. Et je l'ai désactivé hier, ça, hein, cette mise en veille. Hein. Et ça recommence. À chaque fois que je rallume la tablette, elle ne veut absolument pas valider le choix de cette mise en veille. Et à chaque fois, je suis tout le temps obligé. C'est pénible. Alors, attendez, je vais vous reprendre. Pour l'instant, je ne vous vois plus. Alors, alimentation, mise en veille. Au bout de tout le temps, elle se met tout le temps en veille, tous les 15 minutes. Ma tablette est bien branchée. Hein. Bah, on est d'accord, elle est branchée. Bah, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ouais, il n'y a pas de souci, si tu peux venir m'aider. Ça serait, bah, c'est bien gentil. Enfin, s'il n'y a pas de souci à avoir. Dans ces cas-là, tu me dis si éventuellement je lance la mission à Run Kinner. Pourquoi pas? Vraiment, si t'es OK aujourd'hui, bah, je te remercie déjà d'avance de ton aide, Fabs. Non, je me trompe. Alors, offensif, c'est quoi ça? Offensif, défensif, utilitaire. À quoi ça sert ça? Alors, si, surtout si tu es patient de jouer avec moi, parce que
Je pense pas que je vais briller aujourd'hui, hein. Il y a un moment que j'ai pas joué dessus. Oh, bon, ben on essaiera de se débrouiller tout simplement, hein. Voilà. Alors, je pense pas que. On va vérifier. Ah, c'est gentil, Fab. Si tu veux m'aider, c'est vraiment génial. Un grand merci à toi. Après, si t'es sur téléphone, ça va peut-être pas être évident de me suivre. Dans ces cas-là, je vais déjà t'inviter. Je vais t'inviter dans l'équipe. Je vais regarder à ça tout de suite. Je pense que l'inventeur est à peu près bon. Enfin, du moins, je pense. Alors, comment je peux... Ah ouais, faut aller sur social, je pense. Et puis, il faut... Ah voilà, Fabs, il est ici. Alors, je vais t'inviter. Alors, invité dans le clan, invité dans le groupe. Ça doit être ça, je pense, hein. Voilà, je vais t'inviter dans le groupe. À mon avis, c'est peut-être comme ça. Voilà, c'est nickel. 95. Ah, GG, Fabs. T'es le niveau 95, 96. Alors, en principe, là, c'est bon. Je pense que c'est bon pour toi. Oui. Alors, libération, récupérer, ravitaillement de contrôle. Un autre agent a rejoint votre groupe. Voilà, c'est nickel, tu viens de rejoindre, c'est impeccable. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que cette mission-là, si tu veux, si tu te sens d'attaque, dans ces cas-là, on va se TP au plus proche de cette mission ici, là. Voilà. Donc ça, on va le sélectionner. Ou aller sur ce point, peut-être point de contrôle. Est-ce qu'on peut se TP sur un point de contrôle? Oui. Il n'y en a pas d'autre. Ah, il y en a un ici. Mais je ne l'ai pas découvert. Ouais, d'accord, pas de soucis, Jérémy. Merci d'être passé, c'est sympa. C'est un petit coucou rapide. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée également. Et puis surtout, ben, à bientôt. Hein, voilà, et au plaisir. Hein. Merci d'être passé, en tout cas, c'est sympa. Bonne soirée à toi, Jérémy. Et je vais me TP là-bas. On va se déplacer là-bas. Ouais, non, non, mais y a pas de soucis si t'es encore hôtel. Tu me dis dès que c'est bon pour toi. Hein. Dès que je peux lancer, tu me le dis, hein. Il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vais faire... C'est Noël. Ce que je vais faire, peut-être, c'est que je vais essayer d'aller voir ce petit point de contrôle, ici. Essayer de le découvrir. En attendant de repartir sur cette mission principale, une fois que tu es dispo. On va faire ça. Voilà. Mais je pense que tu vas pouvoir se TP sur moi après. Hein. Une fois que t'es dit, c'est bon pour toi. Ça fait un écho. Ouais, par contre, j'ai complètement oublié. Attendez, je revérifie quelque chose. Oh, mais quand t'es un moment sans jouer sur ce jeu, c'est fou. Moi, j'oublie tout. Hein. C'est fou. Hein. Ouais, ça fait un écho. Que ça fait un écho dans la musique comme ça. Ouais, j'ai bien éteint mon volume de live. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire le petit point de contrôle en attendant, histoire de me remettre dans le bain du jeu. Et après, dès que t'es ok, Fabs, on partira sur... Enfin, si tu veux qu'on parte sur cette mission-là, bien sûr. Ouais, il me paraît plus fluide, le jeu. Il y a une mise à jour de The Division. Je trouve qu'il est beaucoup plus fluide. Alors, c'est peut-être moi qui dit peut-être n'importe quoi. Ouais, je le trouve beaucoup plus fluide. Ah oui, je devais améliorer également mon drone et puis ma tourelle. C'est vrai.
Alors, sauver les otages. Alors, on sera peut-être obligé de repartir sur une planque, hein. Parce que là, je vais utiliser mes munitions, je vais utiliser mes soins. Ah, j'ai pas de munitions, malheureusement, pour le lance-patate, c'est dommage. Ça va être dur de se remettre dans le bain, hein. Je sais plus comment on fait pour lancer des grenades. Non, là, je les touche pas, là. Ma grenade va servir à rien. Superbe. Ça pique. Ça pique d'entrée. Ça pique déjà, les amis. Ouh, aïe, 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 j'aurais jamais dû. J'aurais jamais dû venir ici. On commence bien. Quand t'es un moment sans y jouer, c'est incroyable comment je perds mes repères. Bon, le but c'est pas de tuer les... Le but c'est pas de tuer les ennemis quand même, les otages hein, plutôt. Les ennemis, si, faut les tuer. Hein. Ah, recharge. Recharge avant. Voilà. Ah, j'ai du mal, hein. J'ai du mal à me remettre dans le jeu. Alors. Voilà, ça c'est fait. Grenette, une petite grenade qui va bien. Sensibilité, elle est pas bonne. Ma sensi, elle est pas bonne. Alors, l'état des otages est comment? Ici. Fameux robot là. Ces fameux robots. Baisse-toi, baisse-toi, s'il te plaît. Allez, la grenade. Il a bougé. Ah, quel dommage. Dans le brouillard, je ne vois rien. C'est la tempête. Superbe. C'est pas le brouillard en fait, il y a une tempête qui arrive au même moment. C'est cool. On l'a perdu. Alors. J'espère que le son est pas trop fort. N'hésitez pas à me le dire. Ou avec la musique est beaucoup trop forte. Wow, 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 wow. Il y a du monde là. Allez, on sort la pompe. On sort la pompe. Purée, il y a du monde. What? Santé de l'otage. Mais non, il est pas critique, santé de l'otage. Wow, 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 d'accord. Ah, ça pique, ça pique, ça pique. Cours, 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 dépêche-toi.
Bah, ils sont même pas protégés. Ah, il est là. J'ai pris des risques, hein. Là, j'ai pris des risques, hein. Reste pas là, reste pas là, reste pas là. Grimpe, 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 grimpe. Vite, 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 vite. Voilà, protège-toi. Bon, j'ai pas de drone. Salut Kelly! J'espère que tu vas bien Kelly, bienvenue à toi. Je vois pas très bien. La tempête, hein! Ça souffle de partout! Je sais où lui? La petite grenade, elle est où la grenade de si peut-être l'envoyer là. Pas persuadé que ça va marcher. La grenade qui sert à rien. Ça va qui dit tant mieux hein. Merci d'être là en tout cas. Voilà. Allez, sortez un peu là. Ils sortent pas. Ils sortent pas du tout. Bon, on va un petit peu les chercher, les chatouiller un peu là. Voilà. Parce que sinon ils bougent pas. Hein. Alors ok. On va y aller aux pompes. Hein. Voilà. Yes. Impeccable. Allez, on va parler à l'otage. Voilà. Attention, la cible n'est pas loin d'ici, agent. Alors, neutraliser la cible. Ah bon, on va faire ça. C'est impeccable. Ça va, le son va pas trop fort, n'hésitez pas à me le dire. Vous me dites hein, si le son du jeu est trop fort. Eh ben on va faire ça. Oh là, il y a du monde là. Oh, on a du monde là-bas. Alors la cible est là. Bah franchement si j'attaque Aaron Kinner, ça va être compliqué. Ça va être dur. Là. Pas si c'est ça. On a des drones. Oh purée. Oh que ça va être chaud. Ah ces fameux drones. Ça c'est une, c'est un calvaire ces drones. Hop, et toi là. Ah là ça va piquer là. Ouais, ça va, le live a l'air de bien passer. Oup, op, 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 op. On se cache. On se cache. Petite grenade. Allez hop. Est-ce que je l'ai eu? Non, même pas. Je l'ai pas touché. C'est quoi de ces drones en fait là? C'est... ça va pas être évident hein.
Attention, ça va piquer. Ça va piquer, ça va piquer. Je vais asseoir. Ah, recharge avant de commencer à viser. C'est bon, ça c'est fait. Quoi que je prenne une habitude, c'est de recharger aussitôt que j'arrête de tirer. C'est important. Mais quoi ça? C'est pas un killer quand même. Compagnie zéro, neutraliser la cible. Fabien Charquette Andrico, c'est quoi ça? Ça me dit rien. Attendez, je vais quand même vérifier ce que c'est comme mission. Oh non, c'est pour une prime. Ah bah c'est cool. C'est pour une prime, donc c'est impeccable. Ok. On est là-bas. On a pas vu lui. Allez, on y va. Oh, il y a un robot là-bas. Il y a un petit robot, il y a un robot là-bas, un genre de... Merde, pas mal placé là. Je peux pas tirer, mince. Ah, je peux pas. Ah, peut-être ici, voilà. Non, je tire dans mon mur. Là, je tire dans le mur, là. Je tire dans le mur. C'est mal fait, je trouve. Peut-être changer d'angle de tir. Je voudrais essayer d'avoir le robot qui est au sol là, mais j'ai... Ah, alors attendez, apparemment il y a une caisse là-bas pour se ravitailler. On va d'abord reprendre des petites munitions. Voilà. On va se réappro, pas oublier, c'est important. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à pas trop regarder cette map qui se trouve en haut à gauche. J'ai tendance un petit peu à l'oublier. On récupère ce qu'on peut récupérer. Bon, là, ce sont des boîtes de conserve. Là, voilà. Hop là. Bon, bah, il va falloir descendre. Hein. Oh, on a du monde là. Regardez. Allez, prends ça. Brûle. En train de brûler là. C'est bon, nickel. Il est où ce fameux robot qui était au sol tout à l'heure? On va descendre, je pense. Hein. Il est là! Il est là, il est là! C'est ce que je me disais bien. Ah, tu peux te cacher là. Parce que là, je vais prendre cher là. Allez, on envoie des... Voilà, les oreilles sifflent là. C'est pas grave. Tant mieux pour moi. J'attendais pas. J'attendais pas. Ah, ici, là-haut. Attaque! Eh, cache-toi, cache-toi, cache-toi. Allez, passe un peu la tête au bord, tu vas voir. Je vais te dire bonjour, moi.
Et voilà. C'est bon, il est mort. Élimination statique XP 1600. Ah bah vous voyez. Ça me permet de monter un peu. C'est quoi ça? Pour rentrer dans ce bâtiment là? Ah non, on peut pas. Ok. Bon. Alors ça c'est... Mais il me semble que je l'avais déjà faite cette mission là. Hein. Ah je sais plus. Tout se ressemble, donc c'est ça le problème. Une compagnie de Black Tusk menait des opérations à proximité d'habitants. Bon, difficulté normale. Butin de boss. Ça me dit quelque chose, cet endroit-là. C'est pas grave, en attendant, on va faire cette mission-là. Moi, ça me permet de me remettre dans le jeu. Vu que j'étais un moment sans y jouer. Dispositif électronique portable détecté. Et puis voilà quoi. Allez. Pas vraiment protégé là. Hein. Je suis pas vraiment protégé. Oh, on a lance-flamme là-bas. Il va péter. Boum. Pas bien de tirer dans le dos. Tu vas mourir, oui. Oh, on a un sniper. On a du sniper là-bas. Ouais. C'est même pas un sniper, c'est une tourelle en fait. Allez, hop. Ouh. Oh, ça m'a fait bouger ce truc. Ah, j'ai plus de munitions, on va soigner. On va soigner. Je vais mourir là. Le drone. Oublie pas de... Oh là 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 là. Là ça pique par contre là. Deux drones comme ça au sol, ça me fait mal. Qu'est-ce que j'ai pris comme drone en fait, moi? C'est pas pour me soigner ça. Je comprends pas. Je vois pas ce que j'ai pris comme drone. Elle serait pas. Moi jamais je vais arriver à les avoir ça. Bon, j'ai l'impression de pas être très bien équipé. Non, j'arrive pas à me soigner en fait, avec mon drone. Ah, je vais mourir. Je suis déjà mal barré, j'ai pas de soin. Je suis mal parti. Mais mon drone c'est quoi en fait? Ah ouais, ça fait qu'un bouclier en fait, il sert que de bouclier. Ouais, enfin je change ça. Enfin je le change. Mon drone me protège tout simplement mais me soigne pas. Ah non mais c'est mal barré hein. C'est mal parti là. Bon, moi je verrai pour changer ça. Allez, lance patate. Yes. Voilà. Alors, lance patate, malheureusement, j'ai pas beaucoup de munitions pour ça. C'est dommage. C'est dommage. Ça c'est fait. Je pense que je vais monter d'un level. Je sais pas pourquoi il y a eu cette animation là. Aucune idée. On est mal parti quand même. Hein.
Ah mais non, viens pas là, bouge, 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 reste pas là, reste pas là, reste pas là. Oh là 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 là, ça pique, ça pique, ça pique. Bon. Bah on est mal barré. Je suis dans une situation un peu... un peu compliquée là. Parce que trousse de soins, j'ai qu'une... il me reste une trousse de soins. Et bah j'ai pas trouvé de... je te vois pas de... de loot. Enfin de caisse pour me réappro. Ah peut-être ici. Même pas. On est mal parti. Je suis un peu loin là quand même, hein. Ils font mal ces robots. Ils font mal ces genres de robots, hein. Ça me paraît énormément déséquilibré quand tu vois que t'es tout seul. Et quand tu vois ce qu'il y a. Ce qu'il t'envoie par rapport à. Ça me paraît énormément déséquilibré, mais bon. C'est le jeu, hein, c'est un jeu comme ça, hein. Voilà, il n'y en a plus. Plus de robots. Attends, je tire de loin. Hein. Alors, c'est une arme au coup par coup, mais franchement, au niveau des dégâts, elle est pas trop mal, je trouve. Enfin, pour l'instant, c'est ce que... au niveau des armes, c'est ce que je possède le mieux. Hein. Du moins, en fusil d'assaut. Oh, on va peut-être pouvoir récupérer un peu de loot ici. Peut-être pouvoir se soigner. Non, de la céramique. Ah. Bon, pas plus que ça. Même pas une petite trousse de soin dans le secteur. Oh, c'est dommage. On va me donner une petite trousse de soin quand même. Ah ouais, ça pique. Ce jeu-là, c'est que ça. Hein. Ça fait que piquer, quoi. C'est un peu ça, de toute façon. Mais c'est vrai que... quand tu réfléchis bien, tu parais que vraiment petit par rapport à ce que... par rapport au niveau des ennemis, quand tu vois les deux drones là, drones au sol on va dire. Et toi t'es complètement seul avec ton petit pistolet, ton petit fusil d'assaut. Ça me paraît un peu déséquilibré, mais bon ça... c'est un jeu comme ça, c'est un TPS hein, c'est ça, hein, c'est du TPS. Voilà. Oh. Ouais, bon, bah, ouais, 54K. Ouais, bon, allez, c'est pas grave, on va prendre, hein. On mettra ça dans la réserve, on le revendra. Ouais, après, ça reste du violet, on prend quand même, allez, hop. On va pas s'équiper, on va prendre. Voilà. Oh, de temps en temps, vous voyez, j'aime bien de temps en temps de retourner sur The Division 2, mais c'est pas un jeu que je ferai tout le temps, toute la semaine, quoi. C'est un jeu qui me fatigue assez rapidement. Hein. C'est tellement de concentration. Oh là, on a encore un robot là-bas. Regardez, on a encore un là, ici, juste ici. Là. Juste là. Ah non, c'est un boss. Lui va faire mal. Lui va faire mal.
On est bien d'accord, hein. Mon drone sert juste à me protéger, hein. À me créer une armure, hein. Il va mourir le boss. Il va mourir, il va lâcher l'affaire. Regardez, il y en a un là-haut. Enfoiré. Ah, il se régène. Allez, petite mine téléguidée là. Il est en train de se soigner en fait là. T'as pas honte de tirer là-haut toi? Gardez l'arme qu'il possède par rapport à moi ce que j'ai. Ça me paraît improbable. Hein. Regardez, il se soigne là. Hein. Là, il se soigne. Hein. Je pense qu'à mon avis, il faut lui tirer dans le dos. Ça doit être ça. Ouais, faut lui tirer dans le dos. Allez, bouge, dépêche-toi. Voilà. Oula. Parce que j'ai l'impression que là, c'est des balles en plastique. Hein. Je lui fais aucun dégât. Aucun dégât. Ça me paraît vraiment incroyable. Dans le dos, il faut lui tirer, je pense. Hein. Oh, mais là, je vais mourir, là, si je bouge. Hein. Là, je vais me faire allumer comme un lapin, là. Allez, on y va, on y croit. Je vais l'avoir, je vais essayer de l'avoir. Dans la tête ou bien... Je sais pas où tirer, hein. Là, pour l'instant, on peut plus se soigner. Oh, j'ai plus de munitions. What? Wow. À court de munitions. Superbe. Bon, bah on est dans la galère. Plus de munitions. Comment, je sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire parce que là je suis à court de munitions et bah je suis complètement plus qu'un fusil à pompe. Bah comment je vais faire ça moi? Ça m'a pris toutes mes munitions ce truc. On va changer d'arme, c'est pas grave en entendant. Mais j'ai changé d'arme. Bah je vais prendre ça à la place. Je sais pas si c'est le même calibre du coup. Ok. Apparemment c'est pas le même calibre. Elle fait pas tant de dégâts hein, à comparer par rapport à ce que j'avais avant. Hop. Une petite grenade là qui va me faire mal. Une trousse de soin pour moi c'est mal barré. Allez. On court, on récupère des munitions ici. C'est que du pompe malheureusement et de la grenade. Hop. Bouge. Ouf. Bon, on va aller se planquer à l'intérieur. Hein. On va se mettre là. Hein. Mais lâche-moi, toi. Lâchez-moi, bande de sauvages. J'ai chaud, hein. Bienvenue aux arrivants, bienvenue à tous. Bienvenue sur le live. Regardez là. Bop. J'ai pas pris la bonne arme. Et tu te planques très mal. Ah bah lui il va pas me louper par contre. Hein. Lui il me loupe pas. Moi je tire à côté. Mais lui il va pas me louper. Hein. Les balles passent à travers le mur. Mais qu'est-ce que je vais prendre comme flingue du coup? C'est quoi comme calibre? Je vois plus les calibres. Comment ça marche? Indiquez où exactement les calibres des différentes armes. 48K, je vais pas faire grand-chose avec du 48K. Hein. Bon, plus de munitions. Je
vois plus le calibre. Je sais pas si le calibre est indiqué dessus. Bon, on me dit P19, je sais pas ce que c'est. Hein. On va prendre ça. On verra bien. On va être persuadé que ce soit le mieux. Il est là, il est à l'intérieur, non? Ah, il était bien à l'intérieur. Ah, c'est pas le même bruit, hein. Le coup par minute et le mode comme ça, rafale. C'est rien à voir hein, par rapport à ce que j'avais comme avant. Comme flingue avant. Comme fusil d'assaut avant, plutôt. J'arrive à le dire. What? Mais par contre, ça va bouffer des munitions, ces trucs-là. Allez, là, on récupère. Une trousse de soin. Ça va être chaud, hein. C'est quoi là-bas? Pourquoi il y a un point jaune là-bas? Il y a peut-être une... Ouais. Ah, Fabs est là. Et heureux Fabs. Voilà mon sauveur. Excellent. Ah. Oh la jolie. Oh que, quel pas de danse. Une belle arrivée en, en fanfare de Fabs. Avec un petit pas de danse. C'est excellent. Là c'est ça c'est pour dire attention. Ça va chauffer. Excellent Fabs. Bah je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Du coup on continue cette mission là. Ouais, coup droit, ah, c'est Rocky ça. Rocky Balboa. Alors moi je sais même pas comment on fait les animations comme ça. Tu me suis? T'as pas peur? Tu n'as pas peur du coup? On ne sait jamais. Bah bon, bah bon courage pour m'aider à me réanimer régulièrement. En tout cas, c'est gentil, Fabs. Merci de m'accompagner. C'est vraiment génial. Ah. Je sais pas ce que c'est, cette mission, en fait. Ah, comme tu peux le voir, j'ai pas grand-chose, hein. Ah, munitions explosives. Oh, c'est les, ça, le bruit de ce flingue est terrible. Allez. Ouais, d'accord, pas de soucis. Hein. Ouais, bah là, on sera obligé. Hein. Vu mon level dans The Division 2, vaut mieux demander du renfort. Hein. Après, je sais pas si on en a pour un moment pour cette mission-là. Si ça va durer longtemps. Ou pas. Parce que si c'est ça, on abandonne cette mission-là et puis on part sur un... On part directement, mais par contre, on va passer sur une planque, dans une planque pour que je puisse reprendre des soins. Hop, 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 hop. Mais arrête de te sauver, toi. Pourquoi tu te sauves? Moi, je suis complètement à côté. Quel soldat. Allez, les petites mines téléguidées. Ah, t'es au sol? Non, ça m'étonnerait, je pense pas ça. Ça m'étonne. Yes, bien joué. Pourquoi je peux pas passer là? Ben, vous êtes sérieux? On dirait que vous avez gagné une nouvelle prime. Bon boulot. Allez. Et une victoire pour nous. On forme une bonne équipe. Alors, pour la mission de la route, tu demanderas du renfort. La mission, c'est une... Une quoi? Une petite... J'ai pas compris. Excuse-moi, Fabs. Désolé. J'ai pas compris ce que tu as marqué.
Bienvenue à tous, bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver. On va repasser peut-être sur une planque peut-être, non? Qu'est-ce que tu en penses? Essayer déjà de reprendre un peu de munitions, des kits de soins et tout ça. Ah, j'arrive pas à monter là-haut. Puis j'ai l'échelle. Allez, là il y a un petit peu de trucs à récupérer également. Voilà. Oula. Ok. Vers l'émission. D'accord, y a pas de souci. Oh, on a un kit de soin là-bas. J'arrive, hein, j'arrive, Fabs. Ah ouais, ici. Effectivement, j'avais pas vu. Ah bah c'est bon, on a pas besoin de repasser à la planque alors. J'ai 3 kits de soins. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu fais quoi, toi, là? bon, bah, on va pouvoir éventuellement choisir la mission de Aaron Kinner, la mission que je n'ai pas, pour l'instant, réussi à faire. Pour la map, c'est ici. Alors, difficulté, comment ça marche, en fait? Non, bah, je pense que c'est en mode histoire, on est bon, là. Et on a recoupé les infos des différents agents, Renégat. Et on est quasiment sûr que Kinner... C'est bon, l'édition, elle est sélectionnée. On va se le faire, cet enfoiré. On y va, c'est parti. Wouah, le flingue. C'est quoi, ça, ton truc, Fabs? T'as un de ces lance-patates, toi? Wouah! Ah ouais! Ah ouais, c'est énorme! Ah ouais, mine téléguidée et tout! Ah, il est équipé comme un chef! Ok. Ouais, t'es blindé là, t'es blindé. Au niveau matos, t'as ce qu'il faut, Fabs. Ah, GG, hein. Allez, on y va, c'est parti. Ouais, ça va, tout compte fait, l'arme elle est pas trop mauvaise. Malgré qu'elle fait moins de dégâts, enfin, au niveau des stats, elle me paraît pas trop mal malgré tout. Bon, voilà, ça c'est la mission de la souffrance. Ce fameux Aaron Kinner. Ah, t'as un sacré look. Hein. Ah, attends, je vais attendre un peu toi. Je vais te suivre. Je vais te suivre un peu, Fabs. T'es jamais. Ok, passez là-haut. Allez, on y va. Je sais pas si je peux te mettre éventuellement chef de groupe ou pas. Je sais pas comment ça marche ici. Je sais plus. Ah, ici. On a ce qu'il faut ici, regardez. Petite caisse de munitions ici. Voilà, un kit de protection. On va se réappro ici. Bien vu. Il y a ce qu'il faut là-haut. Bien vu, bien vu. Par contre, je vais profiter de regarder au niveau de mon inventaire éventuellement. Non, je ne suis plus la touche. Comme d'hab. Ouais, c'est pas trop mal. Hein. Elle fait 49k, mais c'est pas trop mal. Hein. Pas encore. Hein. 8% de dégâts PM. J'avais avant. J'avais pris celle-ci, hein, en arme. Hein. Mais bon, je crois que je vais garder ça. TP toi sur moi. Sur... Alors, je me TP sur toi. D'accord, ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, bah, déplacement rapide. Yes, wow, comme ça, on va gagner du temps. C'est vrai que c'est pas plus mal. Donc là, à partir de là, c'est il faut que je... Je me suis caché sur un des autres périls. T'es déjà au combat? Mais je serais pas toute seule à ça. What? Kinner à Liberty Island. Ah, t'es déjà parti là? J'ai pas demandé de renfort, hein. Par contre, j'ai pas demandé de renfort, Fabs. Comment on fait déjà? Comment on fait déjà pour des renforts?
Je sais pas. J'ai pas du tout demandé de renfort là. Excuse-moi, j'ai pas lancé la mission sans au niveau des renforts. Je sais plus comment on fait. Que là. Putain, t'es mort toi. Bon, en tout cas, GG Fabs, hein, t'as bien avancé au niveau level. Hein. 96, je pense. Toi, tu passeras pas, toi. Allez, grenade. Allez, on pète tout ça. Y. Alors, c'est social. Ah, d'accord. Social et Y. D'accord. Non, c'est pas ça. Excuse-moi. Oh là 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 là, je panique. Envoi de la demande de backup. Ah, voilà. Yes, nickel. Impeccable, c'est bon. On a du backup qui va arriver, j'espère. J'espère. Merci Fabs. Bien content de pouvoir jouer avec toi. Ça fait plaisir. Il est tout prêt. Un autre agent est maintenant dans votre groupe. Qu'est-ce que j'ai foutu moi? Le backup est arrivé. Oup, 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 ça pète là. Alors ici. J'ai pas pris la bonne arme, j'ai pris, je prends mon lance-patate là. Je devrais plus le garder pour la suite. Alors j'ai déjà fait avec d'autres joueurs hein, cette mission là. Hein. Mais c'était la catastrophe. Ça a été la catastrophe. Explosif en place. Détonation dans 3, 2, 1. Inventaire plein, ok. Alors là, on est avec Lodran. Mais il faut se dépêcher. Je suis sur le dernier ferry. Mais on doit le sécuriser pour qu'on puisse traverser. Ouais, bouge là. Ah, j'espère qu'on va arriver à le mettre au sol, ce fameux Aaron Kinner. Hâte de tirer à côté, c'est inutile. Ah, ça arrive là. Allez. Pas trop s'avancer quand même, on va pas trop rusher dessus. Ça sert à rien. Préparez les explosifs. Écrouillez-vous. Il doit pas rester un seul ferry. Agent, il faut neutraliser ces explosifs. Allez, récupère quelques grenades. On va l'oublier aussi mes grenades hein. Pas que j'oublie ça. Là je suis à full. Explosif ah non. Détecté. Voilà, nickel. Allez, c'est parti. On est qu'à 3 malheureusement. Dommage, c'est dommage qu'on est qu'à 3. Allez, les petites mines. Oh purée, désolé. Désolé. Je crois que j'ai dû te gêner un petit peu pour bouger. Alors attends. Pas grand chose pour tirer, hein. Ils sont bien cachés.
On va essayer de rusher un peu sur eux. Allez, ça pète de partout. Hop. Explosif détecté. Ah ouais, ici on doit se réappro, je pense. Voilà. Bon, l'inventaire est plein. Et je l'avais fait tout seul, hein, cette mission-là. Je l'ai fait tout seul. Au début, j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout. Hein. Au début, j'ai jamais réussi. Moi, j'avais fait une partie avec, avec Mathieu. Je sais que j'avais fait avec Mathieu. Où me placer là? Allez, on y va. Je l'ai pas vu. What? Tu vas te calmer, toi? Non, mais... Bien joué. Merde. Les Black Tusk viennent vers moi sur le pont supérieur. Je pourrais pas rester ici très longtemps. Bah, j'espère qu'on va y arriver cette mission là parce que ça fait quoi, 4 fois, 5 fois que j'essaie de le faire. Sur le pont supérieur. Arrêtez-le. Ça risque d'être dur, hein. On verra bien. Allez, le boss, on va l'avoir là. Yes, bien joué. Ah, GG. J'ai un œil au dossier de Parnell et j'ai trouvé quelque chose. Il travaillait avec Keener sur une arme biologique. Bien joué. Projet Eclipse. Quelque chose d'énorme se prépare sur cette île. J'aime pas ça du tout. Quels que soient les projets de Keener, on peut pas le laisser faire. Je vous fais pas vraiment confiance, mais on a plus que vous. On a combien en fait? Non, déconnez pas. Non, on est qu'à 3. On est qu'à 3 pour cette mission-là. Il faut envoyer Sferry à Liberty Island. Je dois vous avouer que j'ai vraiment hâte de démolir Kim. Oh. Ah ouais, cette fameuse... cette fameuse passage avec une petite bande-annonce. Oh, je sens que ça va être beau. Je veux à volonté. D'accord, ok. Merde. J'y crois pas, ça a marché. Alors attends, Y. Continuez sans moi. Trouvez Keener et finissez-en. Ouais, parce qu'à 3 ça sera chaud, hein. Réseau inconnu détecté. Le signal provient de sous la statue. C'est forcément lui. Bienvenue à Liberty Island. À 3 à mon avis, ça va être compliqué. Keener.
Il a piraté nos communications. Ignorez-le, agent. Alors j'ai fait une demande de backup, mais là je sais pas si c'est passé cette demande. Oui, non. Attendez, je vais refaire. On dirait que je l'ai fait. Hein. Cette demande de backup, on dirait, non? Ouais, ça serait bien d'avoir un joueur supplémentaire. Je cache pas que ça serait bien. Comment tu fais pour jouer et taper en même temps, Fab? C'est... Je sais pas comment tu fais ça. Moi, j'y arriverai pas. Attendez, je refais. Je repars sur social. Alors, attendez, social. On est d'accord. Il y a des dispositifs IEM neutralisés. Ouais, demande de renfort, mais ça vient pas. Les gens veulent pas. Ils veulent pas le faire, cette mission-là. Les Black Tusk ont pas débarqué à nous. Ça va être dur. Ils sont là pour Kinner. Ça va être dur. Mais pourquoi? $1 million. Silence radio à partir de maintenant. Il faut pas que cette pourriture connaisse nos plans. Écoutez pas ce qu'il vous raconte. Il essaiera de vous manipuler. Quel sang terminé. Envoi de la demande de backup. Ah voilà, c'est bon, la demande de backup est passée. Yes. Quelle est la situation? On a repéré la division sur l'île. Et on est prêt à recevoir le colis ici. Déployez le Razorback. Voilà. Qui c'est qui est parti devant? Ah, c'est toi, Fabs, qui est parti devant. Ah, il a pas peur, Fabs, hein. Bon, après, tu sais que tu sais jouer, hein. Je sais que de ce côté-là, The Division 2 te fait pas peur. Bon, c'est, d'ailleurs, on s'est connus hein, sur le 1. Hein. Ouah, papa, reste pas là. Ouh, faut pas rester là. Il y a beaucoup trop de monde. Inutile. La grenade sert à rien du tout. Le Razorback est prêt, chef. Voilà, le fameux Razorback. Vous devez neutraliser le Razorback, mais ça profitera indirectement à l'adversaire. Qu'allez-vous faire, agent? Vous voilà face à un vrai dilemme. Ah, ici, hein, des trucs pour... peut-être pour pouvoir récupérer quelques munitions, je sais pas. Bon là il y a un peu du loot violet mais j'y vais pas, ça sert à rien. Là, ici on va se réappro. La division s'approche du Razorback. Ne voilà. Laissez pas le Razorback se faire détruire. Ces drones pourront localiser et neutraliser Kinner. Défendez-le. Est-ce que je refais une demande de backup ou pas, Fabs détecté. D'après toi. Ah mais ces fameux drones. Ces fameux drones qui font énormément de dégâts. Regardez. C'est un calvaire ces drones là. Alors attends, je le fais tout de suite. Hop, je peux. Demande de backup en cours. Allez. Envoi de la demande de backup. Voilà, ça c'est fait. Ah, ça fait plaisir de pouvoir jouer avec toi. Franchement, c'est top. Merci, merci beaucoup. Attention, attention, attention là, au niveau des drones. Ça me tire de où? Ça me touche de où, ça? Ah, mais il est là. Ah, l'enfoiré. Ah, je vais mourir. Soigne-toi. Ouh! Et c'est fini, oui! Ah, mais saloperie de drone! Je sais plus où aller! Mais ces drones, c'est un calvaire! Oh, c'était pas bon pour moi, j'ai failli mourir! Ah, piqué! Désolé si je crie! Désolé pour les oreilles! Je m'en excuse! Parce que là, je me suis dit, je vais me faire avoir! Ah ouais, fallait tirer là-dedans, là!
Je sais plus dans quoi il faut tirer. Voilà. Voilà. Ouh, ça pique. Hein. On envoie les renforts. Ah, cette mission là, je m'en souviendrai. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, il me demandait de soutenir, j'ai pas compris. Oh, ta tête! T'arrives de partout! Agent à terre. Qui est à terre? What? Sérieux? Qui? Allez! Beurre! Ah, ça va piquer. Soigne-toi. Mais c'est une c'est un calvaire ces drones. J'aime pas ces drones. Ces drones, c'est de. C'est pas possible. Je suis mal placé. Je suis mal placé. Mets-toi là. Regardez ces saloperies de drones. Moi je suis parti me planquer malheureusement. Un agent a besoin d'aide. Wop. On va mourir. Vite. Dépêche-toi. Vite. Wop. C'est chaud. Ça va être chaud. Oh purée, c'est chaud hein. Ouah, non mais. Eh, c'est dur hein. Razorback neutralisé. Ouais, d'accord, pas de soucis, Yohan. Bon appétit, Yohan. Merci d'être là en tout cas. Désolé si je parle pas beaucoup avec vous. Ce jeu là demande beaucoup de concentration et bon, forcément, je peux pas trop interagir avec vous sur le live. Le Razorback et HS. Eh ben ça c'est parfait. Eh, on a failli y passer hein. Impressionnant. On a failli passer là. L'entrée principale est inaccessible pour le moment, mais il y a une entrée de service à l'arrière. Ça a été compliqué, hein. Je vais en faire une demande de backup, hein. C'est pas possible ça. Pourquoi les gens ne veulent pas vouloir jouer avec nous? Hein? Demande de backup en cours. Venez jouer avec nous, on n'est pas méchants. C'est chaud, hein. À toutes les unités survivantes, lancez l'assaut final. Eh, bonne app, Yohan. À tout à l'heure. Bien compris, chef. Bon, là, je suis fou, là. Alors là, je sais plus comment ça se passait ici. Quadri-report de classe maraudeur détecté. Waouh, là ça va être chaud. C'est les drones, je trouve, qui sont pénibles dans ce jeu. Comme dans Breakpoint. Waouh, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Je m'en souviens plus de ça. Mais ce fameux maraudeur de... Purée, mais c'est quoi ça? Vous êtes sérieux? Système rétabli. Non, prends pas cette arme-là. Bon, je suis pas sûr que je veux l'avoir avec ça, moi. Avec mon petit flingue, là. Ah, je lui fais aucun dégât. Bon, la demande de renfort est faite, mais les gens ne veulent pas le venir. Hein. Chef, les chiens de guerre, ils ont été piratés. Alors récupérez-les. Waouh. Allez, j'y vais. Hein, je vais
vais vous rejoindre là quand même parce que là. Voilà. Allez, on va envoyer les petits. Voilà, c'est bon. Yes, bien joué. Non mais, non mais. Oh mais c'est un calvaire. Merde, je suis sur. Tire sur mon collègue. Je suis nul. Il a pas peur d'aller en plein milieu comme ça, lui? Ah bon. Ah yes. Super. Yes, il y a quelqu'un d'autre qui vient d'arriver, c'est superbe. Allez, 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 allez. Voilà. Bienvenue aux arrivants, bienvenue à tous. On n'a plus rien à envoyer. Et bienvenue sur la chaîne. Agent, on a cassé tous leurs jouets. Et leur morale. Voilà. On demande des renforts de l'extérieur, chef. Brady 84, ouais, c'est lui qui vient de se rejoindre. Dans ce cas, il n'y a plus que superbe. Agent. Vous savez où me trouver. Je vous attendrai. Ah, c'est chaud, hein. Allez, on monte. Ici, un écho. Notre extraction est prête. On doit y aller maintenant. Il y a un bateau pour toi et ton équipe à Jamaica Bay. C'est bien, il y a quelqu'un, on est à 4, on est enfin en couplet. L'équipe est parfaite, vous travaillez bien ensemble et je sais que tu t'occuperas de tout à Washington. J'aimerais bien que tu viennes avec nous. Je peux pas quitter New York, j'ai trop de choses à faire. Et puis mon équipe ne s'entend pas trop. Bon, moi je suis fou là. Je suis fou là. Mais n'empêche, on a quand même besoin de personnel en cas de problème. Ne t'inquiète pas. Bon, alors attention là, on va passer à quelque chose de sérieux. J'ai un cadeau pour toi, ça va te plaire. N'oublie pas de les nourrir. C'est le fameux Aaron Kinner. Continuez. Waouh, c'est beau là. On se souvenait plus que c'était comme ça à l'intérieur. On se souvenait plus du tout, vous voyez. Bon, je vais garder mon fusil d'assaut là que j'ai. Hein. Bon, il est pas top top au niveau dégâts, mais. Participer à ce petit jeu. Il est pas trop mal. Ah, on a un écho à écouter ici, c'est vrai. Ah, le pire dans ce. Dans cette. Dans cette mission là, c'est les drones. C'est horrible. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà là? Allez au niveau supérieur. What? Vous êtes où les amis? Ah, en bas. D'accord. Ah ouais, bah moi je l'ai fait une fois cette mission, enfin plusieurs fois, mais j'ai déjà tout oublié. Hein. Ah ouais, il y a les ordi à mettre en route. Moi je vais vous suivre, hein. je vais rester avec vous. Ah oui, dans le noir. What, c'est vrai ça? Non. C'est la mission qui se passe dans le noir ça. Si vous ne prenez pas le contrôle. Waouh, 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 waouh. C'est la différence entre vous. C'est pour ça que vous êtes toujours à l'agent. Tourelle incinératrice Renégate détectée. Tourelle d'assaut Renégate détectée. Ces fameuses tourelles de. Ruche aiguillon Renégate détectée. Drone frappeur voilà. Renégate détectée. Allez, ils envoient la sauce là. Ils envoient la sauce. Ils envoient tout ce qu'il faut. AEA Renégate détectée. Allez, c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Mine téléguidée explosive Renégate. Ah bah oui, des mines téléguidées, allez c'est parti. Bien sûr. Ah, je sais pas sur quoi je tire, j'ai pas tout capté. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous faites confiance aux personnes que vous servez? Confiance à
Hop, 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 je vais où là? Je sais pas où, je m'en souviens plus sur quoi je dois tirer là. Je m'en souviens plus vraiment. Ah, sur ces petites... d'accord. Ok. Ici. Voilà. Protège-toi là. Oh, je bouge beaucoup, j'ai la bouge, attends. Agent à terre. Oh, qui c'est qui est à terre? Sérieux? Fabs? Oh! C'est pas grave, y'a quelqu'un qui te réanime, hein, je pense. J'espère! Ouais, c'est bon, nickel. Impeccable. Système en ligne. Ouais, quelqu'un qui t'a réa. Merci Fabs en tout cas, hein. grand merci à toi de m'accompagner sur cette fameuse mission à Ron Kinner. Parce que... Parfait, vous êtes là. Vous êtes passé où les amis? Je suis encore à la traîne. Vous êtes où? Qui sait, peut-être... Ah, vous êtes passé? Ah, ici peut-être. D'accord. Ouais, ok, superbe. Là-haut. Composé biologique inconnu, détecté. J'arrive. Vous l'avez deviné. Ah, ça fait plaisir. En tout cas, merci à toi. Franchement, ça me fait plaisir. Ah, oh, cette fameuse mission-là. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, cette mission-là. Je m'en souviens comme pas possible. Aïe, 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 aïe. Là, ils vont envoyer la purée. Baisse-toi. Mais baisse-toi. Faut pas te baisser. On peut détruire ça, je pense. Voilà. Vous auriez pu faire des merveilles. La voilà, la vraie tragédie. Est-ce que je fais des dégâts sur la tourelle là? Ce fameux lance-missile. Oui, 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 ça, apparemment c'est bon. Yes. Je ne fais pas ça pour moi, mais pour le monde. Je vous demande d'ouvrir votre esprit. Ah là, je prends cher. Là, je prends cher. Là, je reviens là-haut, parce que là, je prends cher. Non! Qu'est-ce que tu fais? Tourelle incinératrice Renégate détectée. Pourquoi je suis redescendu? Embûche aiguillon Renégate détectée. Ça envoie la sauce, là. Allez, les mines! Son missile marquera le début d'une nouvelle ère pour toute la ville. Une renaissance. C'est un but que nous partageons. Je ne fais qu'accélérer le processus. On va pas trop, on fait attention de pas trop avancer. Je vais vous rejoindre, moi, je vous rejoins les amis, hein, parce que là, je flippe un peu. Allez, allez, allez! Ça va, pour l'instant tout se passe bien. Vous n'êtes qu'une espèce de pantin décérébré. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. Hop, c'est quoi ça? Zone contaminée. Zone contaminée? Système ouais, toi. Aïe, 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 c'est quoi ça? Ouh, c'est quoi? Une téléguidée AEA Renégate. C'est quoi ce truc? Tourelle Renégate détectée. Drone frappeur. Oh là 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 là, par contre là je prends cher là. Ah, je prends cher là. Il est à terre, attends, j'arrive. Drone bombardier Renégate détectée. Laisse-toi! Réanime, je peux pas réanimer. What? Pourquoi je peux pas réanimer? Oh non! Traumatisme important détecté. Soigne-toi! Ah, mais non! Mais pourquoi j'ai pas pu réanimer? Je comprends pas là. Une téléguidée explosive, j'ai pas compris là!
Ah, je vous rassure, j'ai pas compris pourquoi j'ai pas... Ah, c'est mort. Agent décédé. Ah, purée, c'est pas possible. GG pour le level. J'ai pas compris pourquoi j'arrivais pas à réanimer. Hein. Je vous jure. J'ai voulu réanimer, mais le problème, c'est que j'appuie sur la touche, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait du tout. Il faut que j'emploie la manière forte. Ouais, on est chaud, on est dans une galère. On est dans une galère là. Ouh, c'est chaud. Merci la personne qui m'a rien. Et Fab, c'est où en fait? Il est où Fab? Ah, il est là-bas. Ah, mais j'y vais ou je vais te rejoindre ou pas? Je te rien. Est-ce que je dois te réanimer, Fab? Ah non, t'es mort, d'accord, on peut pas là. Parce que là, si je vais en bas, je vais mourir. Hein. Ah, elle est dure cette mission. Hein. Elle est dure. Hein. Je me suis fait avoir. Ah, bah ça arrive, c'est pas grave, t'inquiète. Moi aussi, je me suis fait avoir par ces fameux mines ou quoi, c'était les mines ou les drones. Et je sais pas, ça a bugué. J'ai voulu l'Audran qui est avec nous. Et... Mais tu faut que je te rien hein, ou pas? Ah ouais, faut te rire en fait. Ah, t'aurais dû me le dire. Mais bon. Drone défenseur renégat détecté. Allez, on y va. Là, je suis en train de tirer sur Aaron. Pas l'impression de faire beaucoup de dégâts. Mais ces fameux drones, quelle galère. C'est une galère ces drones là. Oh là, lui il a pris cher. Moi je reste là-haut, hein, je bouge pas de là. Ah, si je pourrais l'avoir aujourd'hui, ce fameux Aaron Kinner. Tire à côté. Système rétabli. Comment ça, système rétabli? Ah, il est immunisé. Alors il y a un moment, il est immunisé, d'accord. Allez, c'est parti. C'est parti, les tourelles. Ces fameux drones. J'ai l'impression de tirer à côté. Ah, c'est un drone piraté. Pas tout compris. Et Royon. Ouh. Et Royon. Agent à terre. What? Tourelle incinératrice renégate détectée. Allez! Que des saloperies de drones! Excusez-moi, je m'emporte! Oh non, mais là, je suis obligé de me poser là, moi! On soigne! Wouh! Qu'est-ce que c'est compliqué! Regardez! C'est compliqué, tout le monde est à terre! What? Vite! Un agent a besoin d'aide! Baisse-toi! Réanime! Vite! Signe vitaux critique. Ah, mais non! Mais non! Ah, ben on est mort. On est tous morts. L'agent ne présente plus de signes vitaux. On est tous morts! J'avais pas de temps de galérer. Ouais, après système ça dépend. En ligne. Ça dépend avec qui tu joues aussi, hein, Fabs. Moi, je suis pas sûr d'être le meilleur non plus, donc. Après, faut voir comment jouent les autres joueurs. Hein. Ça a l'air d'aller, ils ont l'air d'être habitués, mais. Mais t'inquiète, Fabs, hein, je savais que j'allais galérer. Hein. Dysfonctionnement du système. Regardez ça. T'inquiète pas, on va essayer de le mettre à terre, ce fameux Aaron. Hein. On est vite au sol là, sur cette mission là. C'est fou hein.
Ah, puis moi, je problème, c'est que je panique vite, hein. Panique très vite. On bouge, on bouge, on bouge, on va pas celle-là. Ah, tout, il est piraté, là, d'accord. Ok, ok, ok. Ah, ça pique bien, hein. Non, 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 c'est pas là. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais au niveau de tes touches. Carlo, il est là, ce fameux Aaron Killer. Meurs! Meurs! Ah non, non, c'est bon, c'est pas 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 bon, il va pas mourir, hein. Il veut pas se laisser faire, hein. Le vilain. Regardez ce qu'il prend. Vous avez vu ce qu'il prend, c'est incroyable, hein. Et là, on peut utiliser aucun drone. Rectifié. What? Ah, mais c'est chiant, ce truc. Mais c'est pénible, ça. Mais non, mais allez, bouge. Agent, je suis en route. Ouh. Arrêtez, Kinner. Il doit pas s'échapper. Tourelle d'assaut Renégat. Allez, c'est reparti. C'est pas fini, je pense, hein. Drone frappeur Renégat détecté. Ouh. On l'a eu. Yes! Ouais, GG, merci! Yes, on l'a eu! Bien joué! Allez, et gros GG à vous, hein! Je vous envoie plein de bisous, du coup! Bisous! Ah, bien joué! Ah, superbe! Putain que je vais l'avoir, celui-là! Attends, qu'est-ce que t'as fait? Ah, je suis content! Je suis content de l'avoir eu! Qu'est-ce que t'as fait? Ah, c'est une galère à faire, lui, hein! Merci en tout cas Fabs, merci à toi. Merci de m'avoir accompagné, c'est vraiment génial. Je suis très très content de l'avoir fait depuis le temps. Gros GG en tout cas. C'est pas grave. Bon, c'est méchant de dire ça, mais c'est qu'un jeu. Bien joué en tout cas, bien GG à tous. Venez, on rentre à Evan. Je l'ai enfin eu, on l'a enfin eu ce fameux... Bon, je sais que tu l'avais déjà fait, toi, Fabs, hein. Tu l'avais déjà fait deux fois, je crois, deux ou trois fois, je sais plus. Ah, face, c'est une top. Ah ouais, carrément, d'accord. Superbe. Oh, l'enfoiré. Communication ennemie interceptée. Ah, je suis content de l'avoir fait avec toi, Fabs. Très, très, très content. J'ai peur. Depuis le temps, je vais le faire, ce truc. Voilà, libération. Ah, je vais retirer la cam. Ah, j'avais retiré la cam, en plus. Schaeffer, vous m'entendez? Je l'avais retiré, je l'avais pas remis. Ah, bon, c'est pas grave. On se du moment qu'il y a le son, l'image, c'est le principal. Mais il a activé le réseau. Ils sont très nombreux. La montre de Parnell rassemble les données. Je crois qu'ils sont tous là. Merde. Encore des renégats. On n'avait pas besoin de ça. Une top pour la balle. Ok, d'accord. C'est parfait. Ils vont affaiblir la division. Ah, d'accord, ok. Bah, superbe. Une fois pour toutes. J'avais pas repéré sa voix, en fait. Comme par hasard. Écoutez, honnêtement, les amis, Benitez et la JT... Ah, j'ai bien fait de m'y mettre aujourd'hui sur ce The Division 2. Je crois que je vais devoir avaler mon chapeau. C'est bien vrai. Les poules ont des dents, et je me suis planté dans les grandes largeurs. Parce que j'avais déjà fait avec d'autres joueurs. Mais ils quittaient la partie, en fait. Hein, quand ils voyaient que c'était perdu, ils quittaient la partie. J'arrive à croire qu'elle ait pu rejoindre les Black Tusk. J'ai vraiment rien vu venir.
Nous aussi. Elle nous a trompés. Moi, je l'ai vu venir. Ah oui. Je n'ai jamais fait confiance. Jamais. Vous, en revanche, vous avez assuré. Ça me redonnerait presque de l'espoir. Presque. Et au fait, j'ai pas pu accéder au réseau Renégat. Mais la montre en elle-même, j'ai jamais rien vu de tel. D'accord. Elle est à vous. Écoutez, je comprendrais que vous vouliez rentrer chez vous, mais... je parle au nom de tous ici, et nous serions ravis que vous restiez. On a besoin d'aide, et New York sera plus sûr avec vous. Merci. La vérité, c'est que la Directive 51 s'est révélée nécessaire. Ah, ça me fait mal de le dire, mais... Superbe. Ah, je suis content de... que cette mission soit enfin faite. Ah, c'est la fête, là. Un agent a quitté votre groupe. Yes, ah bien, bah c'est superbe. Merci beaucoup, Fabs. Je suis vraiment, vraiment très, très content de l'avoir fait. Donc, à partir de là, maintenant, débloquer la montre de Kinner. Alors, cette montre va servir à quoi? Cette fameuse montre. Alors, vous posez désormais la montre SHD d'Aaron Kinner pour y accéder. Isaac doit établir une collection, sélectionner la montre en bas à droite dans le menu d'inventaire pour lancer le processus de présentation. D'accord, ok. Ah, superbe. Protocole d'intégration activé. Utilisateur inconnu détecté. Ah, d'accord. Monter davantage de niveau. D'accord, ok. Remplacement de l'administrateur local. Privilège d'admin. Administrateur local remplacé. L'animation est pas mal faite quand même. Hein. Sous-routine cryptée détectée. Alors, j'ai un boost de santé actuel de 30%. Comment ça marche en fait ça? Alors, j'ai le prochain SHD, ce sont des trucs de défensive. Isaac a détecté des sous-routines SHD supplémentaires liées à l'embranchement du protocole offensif pour pouvoir accéder à cette sous-routine. C'est des petites écritures, moi je vois pas très bien. Sélectionnez l'embranchement de protocole offensif et lancez le processus de décryptage. Choisis voie. Okay. Analyse, décryptage terminé. D'accord. Alors, ah ouais, alors comment ça fonctionne ça? Alors, comment ça marche? Alors là, c'est quoi? Donc après, le reste de la mission, c'est de trouver des caches SHD, alors, c'est ça? Là, ça va te permettre d'augmenter toutes tes capacités peu à peu. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est pas mal, ça. Donc on sera, si j'ai bien compris, hein, dis-moi si je dis des bêtises, on sera dans l'obligation d'aller récupérer des points SHD, alors, c'est ça? Sous-routine compromise. Parce que je comprends pas tout. Ajouter des points, comment ça fonctionne ça? Combien j'ai de points? J'ai qu'un point. Dégâts deadshot. Est-ce que je peux faire retour en arrière ou pas? Ah, j'ai peut-être été un peu trop vite. Ça marche ce truc. Ah, la traque de la ligue. Ah, d'accord, ok. Ah, on n'a pas encore fini alors dans ce jeu. Traque de la ligue, d'accord, ok. Bon, moi, je vais mettre un point là. De toute façon, j'ai qu'un point pour l'instant, si j'ai bien compris. Synchronisation en cours. Ok. Répertoire racine compromis. Alors, suite. Isaac continue de décrypter les protocoles. Synchroniser. On va faire la suite. Gagner assez d'XP pour améliorer votre rang. Et de niveau SHD. Ok. Chaque rang de niveau SHG gagné augmente automatiquement votre santé de base. Superbe. Sous-routine cryptée supplémentaire détectée. Ah, c'est cool ça. Après, on a beau dire, hein, moi j'aime. Franchement, le 1, j'avais bien aimé. Le 2, j'ai apprécié également. Bon, un peu dommage que je ne me suis pas intéressé à 100% dessus. Je l'ai mis un peu de côté. J'ai commencé à y jouer. Après, j'ai arrêté. J'ai eu beaucoup, comme d'habitude, du mal à trouver des joueurs PC. Hein. Voilà. L'agent n'est plus dans votre groupe. Donc voilà. Donc 6 mois après, d'accord, pas de souci. Choisir une voie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire choisir une voie? Je suis la voie. Comment ça marche? Donc là, c'est bloqué. Ok. Choisir un attribut. Alors ça, c'est quoi? Probabilité de coup critique, dégâts de coup critique et dégâts d'armes.
Bon, qu'est-ce que je vais prendre, moi, là-dedans? Je n'en sais rien. Je vais prendre les dégâts d'armes. Ah, j'ai pas de points, donc c'est pas la peine. Donc je quitte. Est-ce que je dois quitter ça ou pas? Oui. Ok. Maintenant, je vais te suivre. Vous avez écarté la menace de New York. Il faut regarder la situation dans son ensemble. Ah, on doit retourner à Washington, d'accord. À Washington et à New York. Nickel. On a plusieurs opérations en cours sur lesquelles vous pouvez nous aider. Bell sera votre pilote. J'ai enfin fini ce DLC. Tu auras des points à chaque up, d'accord. Nouveau raid disponible, retrouvez dans l'onglet raid. Oh là, les raids, j'ai essayé. Non, je n'avais pas essayé du raid. Je sais pas. On va faire découvrir. Hein, d'accord. Si je peux. Opération Heure Sombre, bientôt disponible. Ah, ils vont rajouter des contenus. D'accord. Alors, réinitialisation hebdomadaire dans 4 jours. Boss pitié. Le butin. On fait retour. Et voilà. Alors, les directives sont maintenant disponibles. Chaque directive demande aux agents de s'adapter aux nouveaux challenges présents. Bon, là, on est dans le tuto. Hein. Bon, difficulté, je vais laisser normal. Hein. Il n'y a pas besoin de mettre plus. Je pense que c'est pas mal. Et là, les agents qui acceptent ce type de challenge supplémentaire gagnent de l'XP. Bonus pour chaque directive ajoutée. Cet XP s'obtient en accomplissant des missions et des activités du monde ouvert. Ok. Bah, c'est impeccable. Très heureux de l'avoir fait avec toi, Fabs. Franchement, c'est vraiment superbe. Donc là, j'ai saison. Je repars du coup à... Bah, je vais te suivre. Si tu veux bien me guider. Voilà. Bon, bah là, par contre, il faudra que je peut-être revérifie un peu au niveau de mon inventaire. Je sais pas, du coup. Je sais pas si je... Ah bah, je vais te suivre. Attends, je vois que tu bouges. Ouais, je vais te suivre. C'est bon, l'intérieur, ici. Ça, c'est ma réserve, ça. Ouais. L'inventaire, je le ferai plus tard. Hein. Franchement, je ferai ça plus tard. Voilà, je vais te suivre, du coup. Mais je trouve qu'il est plus stable, le jeu, depuis le temps qu'il y a eu la mise à jour. Parce qu'entre deux, j'avais des chutes de... J'avais des chutes d'FPS. Il y a une nouvelle cellule d'agent Renegade. Ah, il y a un briefing. Le réseau de Kinner est apparemment très actif en ce moment. Et d'après nos infos, cette cellule serait en train de préparer une attaque sur Washington. Le chef du groupe est... On va regarder, quand même. Nom de code Jupiter. On ne sait pas où elle se trouve actuellement. Mais on sait qu'elle a été en contact direct avec Kinner et qu'elle prépare un gros coup dans la capitale. Il faut absolument les arrêter, elle et son équipe, avant qu'elles aient le temps de passer à l'action. Chadwick Brandon, nom de code Neptune, ancien ingénieur de vol. Cet homme aurait tué plusieurs personnes en sabotant l'infrastructure d'une base de la JTF. Désolé, j'ai tapé dans le micro, je suis désolé. Nom de code Vénus, elle détourne d'importants ravitaillements depuis des mois. C'est un excellent sniper. Mary Masters, nom de code Saturne. On pense que c'est elle qui gère la logistique de leur opération, mais elle reste introuvable. Voilà. Ryan Chang, nom de code Mercure. Déclaré renégat après avoir torturé et exécuté des prisonniers. Celui-là, il vient de chez nous, et c'est une vraie pourriture. Ça ne sera pas si simple de retrouver ces renégats. Pas mal cette présentation, je trouve. Elle est plutôt pas mal. Ah, voilà, donc on a des nouvelles campagnes de track, on a des ligues accomplissent des défis de manière. Et on a ensuite également 3 événements mondiaux et un événement vestimentaire. D'accord. D'accord, donc tu as tué Neptune et Vénus et en ce moment je suis sur Vénus. D'accord, ok. Eh, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc c'est ouais, c'est le programme de saison. Alors chaque saison dure 12 semaines. De nouvelles activités. Bah en fait c'est un jeu qui te demande à tout le temps y jouer quoi. C'est un peu ça en fait. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. C'est par rapport au contenu, il faut y jouer pratiquement. Je vais pas dire tous les jours, mais parce qu'apparemment c'est sous 12 semaines, je pense, si j'ai bien compris. Gagner des XP pour améliorer votre niveau de saison et participer à des événements pour gagner de l'XP. Non, je vais pas faire ignorer. Alors, comment ça fonctionne? Alors, ça, c'est Saturne, c'est... Non, ça, c'est pas fait. La jungle urbaine. Ah, ça, c'est tout ce que j'ai fini. D'accord. Prochainement, on regarde un peu. Hein. C'est tellement nouveau. Alors, série de récompenses.
J'ai Neptune et Vénus, je suis sur Saturne, d'accord. J'ai mal écrit. Non, bah, t'inquiète, y a pas de souci. C'est déjà pas mal. En plus, jouer et écrire en même temps, c'est pas top. Moi, j'y arriverai pas. Waouh, mais je vais être perdu, moi, là-dedans, moi. Apparemment, ton inventaire est géré autrement. Ah, je profite hein, de regarder vraiment un peu le contenu. Alors, passe saison active. Ouais, c'est un peu dommage d'ailleurs, hein, Johan, que je sais que tu joues hein, sur Xbox, mais ça aurait été bien sympa également que tu puisses nous rejoindre. Malheureusement, il n'y a pas encore Play Anywhere. Alors, accueil de la saison. Donc voilà, retour. L'attaque peut être refait autant qu'on veut. D'accord, ok. Donc plus que tu le refais, plus que tu gagnes de l'XP. Si j'ai bien compris. Ok. Bah, c'est vraiment génial. Je vais faire le tour. Là, apparemment, je dois parler à Rod et parler à Benitez. Donc on retourne sur Washington, hein, si j'ai bien compris. Quoi ça? Alors par contre, les postes de fabrication, tout ça, moi... j'y connais rien. Je connais rien. Non, faut pas y parler. Bah, je vais te suivre, Fabs. Allez, je vais te suivre. Je te suis, hein, tout simplement. Ah, je sais, Johan. Bah oui, ça aurait été vraiment sympa. Hein. Ouais, pareil, ça me plairait bien de jouer avec toi. Hein. Ça me plairait vraiment. Ah, ici, on a un marchand. D'accord. Si. Ah, j'arrive pas. J'arrive pas à aller dessus. Benitez. Pourquoi je peux pas lui parler à lui? Oh. What? Il est bugué, Benitez. Tu me fais la gueule, Benitez. Pourquoi tu veux pas me parler? J'ai rien fait pourtant. Ah, si, si, ou bien. Ah, voilà. Il était mal assis. J'arrive pas à croire. Il est pas bien placé. S'il était de l'autre côté. On a travaillé ensemble pendant des mois depuis l'activation de la deuxième vague. D'accord. On s'est sacrifié. Ah, je suis vraiment content de l'avoir fait. Et elle nous lâche pour s'allier à une bande de traîtres. En tout cas, comptez sur moi pour que tout le monde dans cette ville sache exactement ce qu'elle a fait. Ah ! On sait maintenant que c'était une planche pourrie. Ouais. On sait très bien. Il faudra qu'elle paye pour ça. Oui, je suis d'accord. Alors, je dois parler à Rodez. Le Rodez, il est où? Rodez, il est... Moi, je vais te suivre, hein. Je vais te suivre, Fabs. Tu vas être mon guide, hein. Hop, voilà, je vais te suivre. Ah, Rodez, il est ici. Ok. Alors... Je vous l'avais dit. On ne peut pas se fier à un système qui n'a aucun contrôle. Ouais. Quand on n'a de compte à rendre à personne, on n'a pas assez de sens moral pour faire autorité. On pense tous avoir raison. Et savoir ce qui est juste. Jusqu'au moment où on commence à prendre des raccourcis, parce que la fin justifie les moyens. C'est arrivé à Kinner. C'est arrivé à l'eau. Ça peut arriver à tout le monde. Je place toute ma confiance en vous. Vous avez été à la hauteur. Ne me décevez pas. Ouais, pas le décevoir, sinon... Voilà, donc ça c'est fait, libération... Nouveau du projet disponible. Donc après, je ne sais pas sur quoi je... Du coup, ah oui, regardez, petite mission principale ici à rejouer, d'accord, activer la ligue. Mission de track, là je suis parti. Activer de la ligue disponible en difficulté, défi, d'accord. Point de contrôle. C'est la track à Jupiter, d'accord, ok. Alors, pourquoi il me marque rejouer? Ouais, j'ai pas compris en fait là. Alors attendez, à mon avis là il va me mettre certainement... Attendez, j'essaie de recomprendre un peu comment ça marche, je suis perdu. Comme d'hab. Hein. Je suis perdu comme d'habitude.
Ah ouais, d'accord, ici, ça, ce sont Jupiter. Vénus. D'accord. Alors, il reste une semaine et quatre jours. What? Neptune? Info manquant, occupé. Alors, c'est l'attaque Jupiter, c'est les points jaunes. Alors, les points jaunes, Ouais, ça fait partie des missions principales, c'est ça? Les points jaunes, alors attendez. Point de contrôle. Donc, tu restes encore sur Washington, sur New York, alors, si j'ai compris. C'est l'autre carte, c'est cette carte-là, ici, alors. Sur New York. On est d'accord, on repart sur New York, hein, c'est ça. Hein. Si j'ai bien compris. Hein. Pas New York, Washington, excusez-moi. Je dis n'importe quoi. Alors là, on est sur New York, comme dans The Division 1. On repart sur Washington. Voilà, je me rattrape. Ça dure, c'est sur New York, d'accord. Coucou, Magali. Salut, Magali, j'espère que tu vas bien depuis le temps. J'espère que tu vas bien, Magali. Bienvenue, en tout cas, bienvenue sur le live. Ouais, ça va, Magali, ça va. Il y a eu des hauts, des bas, là. Il y a eu après un petit 6 jours d'absence, là, au niveau de Twitch. Voilà, après, j'ai été pas mal pris, là, par cœur de gamer pour tout ce qui était au niveau des lives caritatives pour les hôpitaux de France et les petits frères des pauvres. Donc, ça avait démarré la semaine dernière, ça a fini lundi. Donc, j'ai été pas mal pris à ce niveau-là. Donc, ça m'a donné pas mal d'occupations également. Et puis, je reprends tout doucement un petit peu les lives, là. Peut-être pas aussi régulièrement, mais on reprend tout doucement. Sinon, ça va, voilà. Il y a des hauts, des bas, il y a des moments, c'est pas trop top pour dormir, mais bon, ça va. On le fait avec, en tout cas. Go Washington, d'accord. Allez, on va à Washington, là. On y va. C'est parti. Et comment tu fais, alors, du coup? Tu fais carte de Washington. Alors, comment on fait? Comment ça marche? On peut se TP directement comme ça. Ah, d'accord. Déplacement rapide sur la Maison Blanche. Ok. Ah, bon, on va faire ça. Voilà, je sais pas si c'est ce qu'il faut faire. Alors, en tout cas, j'espère que ça va, Magali. Que tout se passe bien chez toi. Avec ce fameux confinement, on est déjà plus de 40 jours. Hein. Là, ça commence vraiment à faire long, quoi. Mais bon, là, pas. Hein. On s'adapte, encore une fois. Hein. On respecte ce qui est demandé, bien sûr. Et puis, moi, ça fait 40 jours que j'ai pas bougé de chez moi. Hein. En dehors de la semaine dernière, j'ai dû aller voir, là, aider ma femme, là, pour par rapport à ce qui s'est passé avec mon chien. Hein. J'ai dû aller voir, j'ai dû l'accompagner au vétérinaire, là, pour ses soins. Mais en dehors de ça... Zone de sécurité détectée. On reste à la maison, voilà, c'est pas un choix facile, c'est pas évident. Mais voilà, on s'adapte, hein, comme d'habitude. Hein. Ouais, ça devient pesant, je cache pas que moi j'ai besoin de revoir du monde également. Malgré tout, j'en ai besoin. Bon, ça va, là j'ai l'occasion de revoir un peu mes filles via Facebook avec la cam. Mais ça me manque, le fait de ne pas les voir en vrai. Enfin, voir mes filles, ça me manque quand même. Je ne vous cache pas que c'est ça qui est pour moi le plus compliqué, c'est pas de les voir en vrai, quoi. Voilà, c'est que du virtuel. Mais bon, heureusement, encore ce moyen de Facebook pour pouvoir communiquer ensemble. Bon, on s'appelle régulièrement, forcément. On se donne régulièrement des nouvelles. Mais voilà, c'est le truc qui me manque le plus, c'est ça. Bah, en tout cas, un grand, grand, grand merci, Fabs. Franchement, c'était vraiment génial. Je te dis un grand merci de m'avoir enfin permis d'avoir mis Aaron Kinner à terre. Enfin réussi à faire cette mission-là. Je suis vraiment, vraiment content de l'avoir fait avec toi. Merci pour ton aide. Je te souhaite une bonne soirée. Et puis, on se dit tout simplement à bientôt avec grand plaisir. Et surtout, prends soin de toi également. Et à bientôt. Voilà, bientôt Fab, merci encore une fois de m'avoir accompagné dans cette aventure à Aaron Kinner, on va dire, dans cette mission, voilà. Merci à toi. On peut choisir. Un agent n'est plus en ligne. Et bonne soirée et à bientôt. Voilà, c'est ça, parce que j'avais pris le truc démolisseur.
Voilà, on a le mode technicien, on a le mode artilleur également. Je vais arriver à le dire. Et puis Y pour commencer, d'accord. Et là, c'est le mode incendiaire. Je tenterai bien le mode ici avec le survivaliste. Avec des carreaux. Vous n'êtes plus d'un groupe. Après, on a le tireur d'élite. Voilà, donc on reprend tout doucement, comme tu peux voir, Magali. Hein, voilà, je skim un peu moins quand même. Il y a une période où l'envie de skimmer était un petit peu mis de côté. Voilà, bah après qu'on n'a pas la forme ou on dort pas très bien, on est fatigué, on n'a pas trop envie de. Bah, tout simplement de live ou de jouer, hein, voilà. Demande de backup reçue. Donc, mais bon, il y aura. Là, cette semaine, bon, ça va, il y a eu un peu plus de live que par rapport à d'habitude. La semaine prochaine, je vais essayer de reprendre à des heures à peu près régulières. Mais pas des gros lives de 3h, 4h ou 5h. Hein. Ça, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Alors, c'est vrai que j'avais prévu de faire un live au soir. Pour l'instant, c'est pareil. Voilà, j'ai encore pris le projet également de faire gagner un peu également de la monnaie silver. Mais il faut que je reprenne tout doucement. Et puis, bah, quand je verrai un peu, quand ça sera le moment voulu, je vous referai gagner... également de la monnaie silver et puis des bons d'achat d'Instant Gaming. Depuis le début janvier, je dois les faire gagner ces fameux bons d'achat. Et bah, y a tout le temps eu des petits soucis qui se sont rajoutés pour pas, malheureusement, que je puisse le faire. Mais bon, rien n'est perdu, on est encore là. On aura encore l'occasion de pouvoir faire profiter un peu tout ça, de tout ça, voilà. Le mode démolisseur, je ne sais pas si ça peut être bien, ça, par contre. Pas du tout. Alors, si je fais ça, comment ça fonctionne, ça? Alors là, on va regarder rapidement au niveau de l'inventaire. Comment ça marche? Normalisation. Points disponibles. J'ai autant de points de disponibles? Ah, ok. Épuisement de munitions. Bon, on va rester en mode démolisseur. Ça me fonctionne, ce truc. Alors, on augmente la résistance au feu. Ah, tu peux améliorer avec ces points-là, d'accord. Ça, moi, j'avais... J'ai pas des dégâts de fusil d'assaut accru, d'accord. Experts de fusil calibre. Oh, mais il y a trop de choses sur ce jeu. Il y a des trucs que je vais oublier, moi. Alors, les dégâts des membres du groupe aussi non attribués sont accrus de 5%. Conditions de spécialisation de la nécessite démolisseur pour être actif. Là, c'est cette fameuse tourelle que je n'utilise pas pour l'instant. Là, ce sont les grenades. Dégâts. Dégâts d'armes spécifiques. Voilà. Et alors, je suis d'accord avec toi, Magali. Faut faire les choses qu'on a plaisir à faire. Exactement. Surtout à l'heure actuelle, faut pas se prendre la tête. Hein, au contraire, on a tous besoin de, entre guillemets, d'éviter de se prendre la tête pour un oui ou un non. Et puis surtout s'entraider. Voilà. C'est pour ça que, entre guillemets, en parlant de ça. Que le fait d'avoir participé à cet événement Cœur de Gamer, ça me tenait à cœur. Parce que bon, je sais comment ça se passe au niveau des personnes âgées. Ma femme, étant donné que travaille dans ce milieu-là, je sais comment ça se passe au niveau de l'isolement, etc. Et puis par rapport à ce qui se passe aussi avec le Covid, le fait d'apporter une petite aide, que ce soit de participer à ce genre d'événement, bah pour moi, voilà, j'en suis content. Et puis. Ah, et puis voilà quoi. Donc c'est pour ça que j'ai postulé pour modérer, enfin être en tant que modo suppléant, hein, pas principal, parce que il y avait tellement de monde qu'en principal j'aurais pas réussi à gérer ça. Mais c'était plus du suppléant, hein, voilà. C'était plus de la accompagner le modo principal, voilà, tout le long de cet événement. Et puis franchement j'ai passé, bah, c'était vraiment génial. Voilà, il y a eu énormément de monde, pas mal de personnes ont participé. Il y a eu
comment on dit, des skimmers assez connus d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, PADG a participé, hein, je sais que tu connais PADG. Donc il a participé, il y a eu Bob Lennon, enfin il y a eu du beau monde. Et puis ils ont donné également la chance à des streamers un peu moins connus, hein, qui forcément ça leur a permis de, pour cette cause-là, ça leur a permis de pouvoir également streamer, faire des lives également. Hein, voilà. Je trouve que c'était vraiment génial. Ouais, puis voilà, c'est bien de pouvoir varier comme ça les activités. Ouais, ouais, parce qu'en ce moment, les activités, on n'en a pas beaucoup, on sort pas. Et puis, mais j'ai pas vu me passer, mais ça a été du jeudi au lundi. Mes journées ont passé très, très, très vite. Assez éprouvant parce que, bon, il faut... Bah, voilà, il n'y avait pas des horaires imposés, je précise, aucun horaire n'était imposé. Enfin, si, on avait un planning, hein, un planning à choisir. Et on choisissait nos horaires par rapport à notre participation. Et puis, voilà, il y avait... et à partir de là, si t'es pas présent sur un planning ou une journée, tu pouvais être là et également, voilà, il n'y avait rien imposé, il y avait un choix libre. Et après, à partir de là, ils ont organisé la gestion des modos, quoi. Voilà. Mais c'était vraiment génial. Franchement, encore un grand, grand bravo à eux, à Cœur de Gamer, d'avoir mis ça en place. Et il y aura encore d'autres événements, à mon avis, de ce type. Aucune violence verbale ou physique ne sera tolérée. Pistolet, j'aurais peut-être pas dû prendre ça. Dégâts de fusil mitrailleur à coup de 5%. Ouais, j'ai des points. Hein. Franchement, j'ai des points. Là, j'ai ce qu'il faut. Hein. J'ai que moi me faire plaisir. On va regarder un peu comment ça marche. On va essayer d'équilibrer un peu tout ça. Dégâts de fusil accrus. Oui. Tuer des ennemis par explosion. Ça ajoute 3. Ajoute 3 à la jauge de munitions. D'accord. Bon, là, c'est full apparemment. Ok, là c'est pareil. On va essayer d'équilibrer un peu tout ça. J'ai pas mal de points. Ah, donc ça c'est quoi ça? Kit de protection répare 100% des dégâts. Ok. Et GG pour ton level, Magli. Ah, augmente la résistance du feu. Ça c'est impeccable. Voilà, donc j'ai passé vraiment un super moment. Sur cet event, voilà. Dégâts des membres du groupe. Chasse pistolet, j'utilise pas. Ouais, c'est d'équipe. Ouais, j'ai des. Oh, les points défilent vite quand même. Hein. Alors. Alors, ici. Ou pour amélioration. Alors j'ai ça ici peut-être. Dégâts d'âme spécifiques. Mitrailleur, peut-être on va mettre ça. Ouais, peut-être. Voilà. Alors j'espère que je fais pas d'erreur. Hein. Je sais pas si je gère bien ça. Je vais un petit peu ça par hasard. Ah, par contre, je peux plus rien améliorer. Apparemment, j'ai peut-être plus assez de points. Voilà, je pensais pas que j'avais me resté autant de points que ça. Voilà. Ça fera pas l'affaire. Voilà, voilà. Niveau 3.
pas le tour, hein. On va faire le tour, voir ce que je peux faire. Pistolet, je n'utilise pas. Bon, on va garder les points comme ça. Alors, si je fais retour... Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, reçu base de sécurité incendiaire. Oh là là, voilà, on va aller voir là. On va aller voir un petit peu là au niveau... Au niveau de l'inventaire. Moi, bon, je vais peut-être pas trop nickel l'heure. Les 46, bon, je vais stopper. Il est juste bien pile poil 20h. Je pensais que j'allais pouvoir refaire une petite mission. Voilà, mais bon, on va arrêter pour aujourd'hui. Alors, je pense pas demain faire The Division 2. Je pense que je continuerai certainement, si tout va bien, ce week-end. Voilà. Peut-être soit samedi ou dimanche. Demain, bah, je vais tenter de refaire un peu de The Division... Forza Horizon 4, voilà. On va partir sur Forza Horizon 4. Hein, tout simplement. Voilà, moi j'ai passé un bon moment, comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Encore un grand merci à Fabs pour m'avoir accompagné sur... sur cette fameuse mission à Ron Kinner. On a enfin réussi à le mettre à terre. Du moins avec Fabs. Moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous surtout. Soyez prudents. Je vous souhaite bon appétit. Et je vous dis à demain. Voilà, merci d'avoir participé. Et bonne soirée à tous. Et plein de bisous. À bientôt. Ciao ciao. Et bye bye. Merci d'être passé. Bisous bisous. Bisous. Bisous.
Bisous. Bye bye. À la voyure.